Bonjour, je m'appelle Natacha Carvalho, je suis criminologue, intervenante en dépendance jeunesse au 6 des Laurentides. Les jeunes que je rencontre dans le cadre de mon travail ont entre 12 et 18 ans et peuvent avoir des problèmes liés à la consommation de substances, à la cyberdépendance ou ce qu'on appelle aussi l'utilisation problématique des écrans et à la santé mentale. Parfois c'est un, parfois c'est l'autre, parfois c'est une combinaison de ces difficultés-là qu'on retrouve. On peut rencontrer un intervenant en dépendance pour différentes raisons. Par exemple, il y a des jeunes que je rencontre qui peuvent être en questionnement, qui peuvent être ambivalents, qu'on dit dans notre langage. Est-ce que ma consommation entraîne davantage de conséquences négatives que positives? Ces gens-là ne sont pas encore certains des bénéfices du changement. Ils ont encore beaucoup de gains à leur consommation qui répondent souvent à des besoins légitimes, comme exemple, là, se soustraire à une détresse. Qui n'ont pas trouvé réponse différemment. Donc, à ce moment-là, mon rôle, c'est de les accompagner dans la résolution de ce questionnement-là, de cette ambivalence, et de les soutenir s'ils choisissent de faire un changement, pour trouver une réponse plus adaptée à un besoin qui était finalement légitime. Chez certains autres jeunes qui nous demandent de l'aide, la consommation est bien installée. En fait, les conséquences négatives qui sont liées à leur consommation peuvent être nombreuses sur les plans physiques, psychosociaux, psychologiques, économiques, scolaires. Ils ont souvent, ben, parfois perdu le contrôle, je dirais. Puis malgré leurs efforts, ils sont plus en mesure de changer leurs habitudes de consommation. C'est là qu'ils ont besoin de notre aide. J'ai envie de dire, aux adultes qui s'inquiètent que la consommation n'est pas toujours problématique chez tous les jeunes. En fait, on le sait chez l'adulte, mais c'est aussi vrai chez l'adolescent. L'exploration, l'usage de substances, la recherche de sensations nouvelles peut faire partie d'une adolescence dite normale. Et à ce moment-là, comment repérer là, quand ça devient un problème? En fait, on devrait se poser des questions si on se rend compte qu'on consomme par ennui, pour fuir, pour oublier ses problèmes, être mieux dans sa peau. Si on consomme seul de plus en plus souvent ou que ça prend de plus en plus de place, que ça vient avec des pertes de contrôle ou différentes conséquences, là, que ce soit familiales, scolaires, judiciaires. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être suggéré de se poser des questions. Les intervenants qui travaillent en dépendance avec les jeunes sont là pour écouter, accompagner et aider les adolescents qui veulent tenter une modification dans leurs habitudes de consommation d'alcool, de drogue, de jeux ou d'écran. Nos services s'ajustent selon la demande, en fait, là. Certains jeunes vont recourir à nos services de façon individuelle, sans que les parents soient informés si telle est leur demande et qu'ils ont 14 ans et plus. Pour d'autres, on va faire de l'intervention familiale ou systémique. On offre aussi des services de groupe, tant pour les jeunes dans les écoles qu'un groupe de soutien qui se donne pour l'entourage des jeunes consommateurs. Quand une thérapie s'impose dans un centre de thérapie désigné avec lequel on fait affaire, on procède à l'évaluation et à l'accompagnement. Donc, tout avant, pendant, après le processus thérapeutique du jeune, on va l'accompagner, on va être là en prévention de la rechute à sa sortie aussi. Pour les partenaires, on offre des formations et on a un rôle aussi de soutien, de conseil, je dirais. Et on participe aux divers comités, que ce soit à la santé publique, des comités de toxicomanie, de santé mentale, dans nos différentes communautés respectives. Dans tous les cas, en fait, les services en dépendance, c'est une démarche qui est volontaire, qui ne peut pas être obligée. C'est important de dire, je pense, que les ressources spécialisées ne sont pas réservées uniquement à ceux qui ont de graves problèmes de consommation. C'est donc pas parce qu'un jeune obtient des services qu'il a forcément une dépendance ou qu'il est en voie de devenir toxicomane, par exemple. C'est à le préciser parce que certains peuvent refuser l'aide par crainte de l'étiquette et se priver d'une source d'aide qui leur serait bénéfique à ce moment-là. Certaines personnes, peu importe l'âge, parviennent à améliorer leur qualité de vie et à changer les habitudes qui leur sont nuisibles sans personne ressource, alors que pour d'autres, pardon, une aide peut être bénéfique pour mieux comprendre ce qui se passe, prendre le contrôle sur leur vie et se faire accompagner là-dedans.
Souvent, chez plusieurs des jeunes qu'on rencontre, la consommation s'est graduellement immiscée dans les différentes sphères de leur vie. Ils peuvent avoir débuté par une consommation dans le plaisir, dans les loisirs, avec des amis, puis peu à peu, elle a pris de plus en plus de place dans les autres sphères, que ce soit l'école, que ce soit la vie de famille, le travail à l'extérieur ou parfois même y mettre de côté là, des loisirs qui leur étaient chers. Et dans ce temps-là, on doit parfois les aider à retrouver un meilleur équilibre de vie. Je demanderai jamais à un jeune d'arrêter de consommer. Je peux lui donner parfois mon opinion s'il le demande ou si c'est approprié, mais au risque de me répéter, là, je pense que c'est important de le dire qu'on accompagne le jeune dans le changement que lui veut faire. Donc, diminuer les impacts négatifs que sa consommation a dans sa vie et retrouver la maîtrise de tout ça. Donc, ça peut passer par réinvestir des loisirs ou des amitiés qui ont été abandonnées au profit de la consommation. Ça peut être de reprendre une routine, d'avoir un nombre d'heures de sommeil adéquat ou d'être capable simplement de retrouver le sommeil sans la substance. Ça peut être de retrouver aussi une routine alimentaire, hein, parce qu'il y a des jeunes qui ne se sentent plus capables de manger sans avoir consommé d'abord. Parfois, les stratégies, c'est de trouver une façon moins nuisible de répondre aux besoins qui se cachent sous leur consommation. Un jeune, par exemple, qui n'a jamais développé de stratégie efficace de faire face à son anxiété, peut dépendre des substances pour l'éviter, cette anxiété-là. Mon rôle va être de l'accompagner, de comprendre qu'est-ce que c'est l'anxiété, comment il peut y faire face d'une façon plus adaptée, qui va être moins nuisible pour lui. Chez certains jeunes, réalisent aussi à un moment donné que la seule chose qui les relie à ses amis du moment qui sont consommateurs, c'est les expériences de consommation. Il y en a qui arrivent à un constat où ils doivent faire des choix, se développer un nouveau réseau qui correspond plus à ce qu'ils souhaitent devenir, ce qu'ils souhaitent être. Donc, graduellement, c'est des petits exemples comme ça de stratégies qu'on essaie de mettre en place pour accompagner le jeune, puis graduellement agir sur les différents éléments qui vont faire qu'il va retrouver une vie qui est satisfaisante dans laquelle il se réalise. Puis, il n'y a pas de recette, hein, qui convienne à tout le monde. Ça peut être bon de se faire aider pour trouver la bonne recette pour soi. La COVID, en fait, c'est venu ajouter une couche, je dirais. Comme on l'entend dans les médias, on est tous un peu affectés par la COVID à différents niveaux. Donc, ça n'a pas épargné les jeunes qui vivent eux aussi des manques, hein? Se rassembler entre amis, voir leur famille, faire leur sport, leurs loisirs organisés ou avoir accès à leur groupe d'appartenance, en fait. Dans notre pratique, c'est sûr qu'on a vu aussi plus de symptômes anxieux, plus de symptômes dépressifs apparaître chez certains des jeunes qui étaient peut-être moins marqués avant ou en sourdine ou qui étaient tout simplement pas présents. Chez certains, il y a clairement eu une augmentation de la consommation parce que les possibilités de se divertir, de s'occuper autrement, de socialiser étaient réduites. Une autre chose aussi auxquelles les gens qui ne sont pas dans le milieu penseront peut-être pas, c'est que les frontières, quand elles ont été fermées, les producteurs ont eu des difficultés d'approvisionnement. Mais les drogues étaient encore plus coupées. Il y a eu parallèlement à la pandémie ce qu'on appelle une petite crise des surdoses. Donc, ça augmentait les risques associés à la consommation là, en lien avec la qualité des substances qui était beaucoup moindre. Le contexte entourant la pandémie nous a aussi privés de certains outils, nous, les intervenants, pour aider nos jeunes. Hein? Quand un jeune, comme je disais tout à l'heure, la consommation qui a pris de plus en plus de place, se rend compte qu'il y a presque plus de loisirs qui ne sont pas marqués par la consommation. À ce moment-là, on l'accompagne des fois à soit se réseauter, développer des intérêts, aller à la recherche, l'exploration de lui-même, voir qu'est-ce qui pourrait répondre à ses besoins autrement que par la consommation. Puis, bon, il y a beaucoup d'organismes qui étaient fermés, les activités sportives qui n'étaient pas permises. Tout ça nous a privés là, finalement de certains outils, puis ajouté une couche de difficulté là, à notre travail. Par contre, il y a aussi
eu plusieurs initiatives qui se sont déployées. Les sites gouvernementaux, les organismes qui offrent auprès des jeunes ont été nombreux là, à publier des petits guides de survie pour faire face à la pandémie qui contiennent des bons conseils qui peuvent être appliqués en tout temps, là, même quand c'est pas en temps de pandémie finalement. Et même si on doit se montrer vigilant là, face à notre temps d'écran, les applications cellulaires, il y en a de plus en plus là, qui sont créées, qui peuvent être aussi de très bons outils, comme MindShift, qui est une application d'autogestion de l'anxiété, finalement, les jeunes me disent qu'ils ont l'impression d'avoir un intervenant dans leur poche. Donc, quand on est pris par une crise anxieuse, qu'on a l'impression de ne plus avoir accès à nos moyens, on peut sortir l'application qui va nous guider pas à pas dans la résolution de ce passage-là de la crise de panique ou de la crise d'anxiété. Il y a d'autres applications aussi comme InPower, qui ressemble un petit peu à l'initiative Aller mieux à ma façon. Si vous tapez ça dans Google, vous allez le trouver facilement. Donc, c'est une revue des différentes sphères de vie qui apporte un portrait très rapidement du niveau de satisfaction de la personne dans les différentes sphères et qui va la pister dans des stratégies où rétablir l'équilibre ou atteindre le niveau de satisfaction qu'elle voudrait finalement. Donc, ça, c'est des moyens, des outils qu'on peut aussi utiliser là, qui peuvent nous aider dans notre travail, même si ce n'est pas directement en lien avec la consommation comme telle. En terminant, je voudrais simplement rappeler aux gens qui ont écouté la capsule qu'il y a des ressources de disponibles, tant pour les jeunes que pour leur famille. De ne pas hésiter à communiquer avec le 811 si tu es un jeune que tu veux qu'on fasse le repérage, le dépistage de ta consommation, voir si tu peux avoir accès au service. Et puis, en tout temps, les lignes d'aide qui vont apparaître à l'écran là, peuvent être une source de soutien également. Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'aide qu'il vous faut.